Eh bien, salut tout le monde, ici Zetchiwa, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ark. Donc aujourd'hui, nous allons faire le spawn, le mosasaur et le plésiosaur. Bien sûr, et les celles qui vont avec. Donc ce qui semble logique. Donc, eh ben, c'est parti, j'ai envie de dire. Allez, alors, ça ne change pas, comme d'habitude. Donc, vous tapez tout simplement Moza. Alors, je vais vérifier que j'ai bien écrit. J'ai pas envie de m'y reprendre deux fois. Ouais, voilà, Moza. Caractère. Ça ne change absolument pas de d'habitude. Voilà, tirer. P-C. Alors, et le level. Alors, je suis bien level bizarre. Voilà. Donc, on a le Mosasaur qui est juste là. D'ailleurs, comme Dino Marin que je kiffe, je trouve bien trop stylé. Maintenant, on va faire le Plésiosaur. Donc, la commande du Plésiosaur est un petit peu plus longue. Mais sinon, c'est identique, hein, je veux dire. Donc je vais le faire juste là, je pense que là ça sera bien. Donc on enlève ça, voilà. Donc P E L S I O. Commande assez longue quand même. Moza. Bah c'est tout. Et voilà, le Moza. Donc je suis un peu moins fan de ça. Je trouve que le haut de son corps on dirait une asperge. Enfin, de là à sa tête, on dirait une asperge, donc je suis vraiment pas fan. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Donc maintenant, nous allons faire spawn la selle, enfin, les selles. Parce que si je dis pas de bêtises, pour le plésio, il y a une plateforme. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier ça tout de suite, je reviens. Donc, bah voilà, j'ai trouvé. Alors, on va commencer par le plésiosaur. J'ai envie de dire. Donc il y a deux saddles pour le plésiosaur. Alors, il y a la plateforme et la saddle normale. Donc bien sûr, les commandes seront en description comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas. Ça ne change pas. Hop. Donc comme ceci, plésia. Saddle. Ça ne change absolument pas. Voilà. La quantité, la qualité. Oui, si vous voulez un BP ou... une selle normale et j'ai fait une faute et j'ai trouvé ma faute. J'ai tout simplement mis 2 L au lieu de mettre 2 D. Petite faute passagère, hein, j'ai envie de dire. Donc ceci était pour bah, la selle normale. Regardez, on va la mettre, voir à quoi il ressemble avec. Allez, mets-toi direct. Il ne veut pas se mettre directement. Ah bon, et pourquoi ça? Ah, bah oui. Elle est belle, bien joué. Non, mais arrêtez de bouger. Parce que j'ai essayé de le mettre sur le... le Mosasaur au lieu du Plésiosaur. Ah, ça ira mieux si je le mets sur la bonne créature. Ouais, bon, une salle assez basique, j'ai envie de dire. Donc maintenant... Oh, il va me faire chier le Pirano. Voilà. Maintenant passons à la plateforme de Plésiosaur. Donc vous mettez juste là. Hop, vous enlevez le A. Tirez. De 8. Plateforme. Et voilà. Et voilà, on a la plateforme du Plésiosaur. Donc faire une plateforme dans l'eau, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Après, c'est chacun ses goûts. Parce qu'à moins que vous avez une combinaison de plongée, et que vous pouvez survivre sous l'eau, sinon... ouais, moi j'ai jamais fait de... Spécialement, j'ai jamais fait de, ouais, de plateforme...
sur nos dinos marins. Alors, maintenant on va passer au mégalo. Oméga. Ça c'est le requin. Un mosasaur. Donc c'est parti. Donc le mosasaur, il a trois selles. Donc une plateforme, une selle normale et la selle tech. Que j'ai déjà présenté dans une vidéo précédente. Donc mosasaur. Voilà. Je vais pas lui mettre tout de suite. On va d'abord faire spawn les trois selles. Voilà. Donc là, j'ai juste enlevé le plateforme et le tirer. Et là, tout simplement, vous remettez le tirer et vous tapez tech. Et voilà, les trois. Donc je vous remettrai les trois commandes aussi, si ça vous intéresse. Alors, voilà. Le Moza avec la plateforme. Bon, c'est le même que le Pizzo. Avec sa selle normale. Vous faites chier les petites piranhas de merde là. Voilà, avec sa selle normale. D'ailleurs, il se prend toujours des dégâts. Va-t'en comprendre quelque chose. Voilà. Et on va mettre avec. Bah, je trouve la plus belle des selles. Ça reste la tech. Qui est bien plus belle que tout le reste. Et voilà, avec la tech. Donc, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour du Mosasaur et du Plesiosaur. Donc, bah, si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!